Alors Michel, c'est vers toi que je me tourne en premier. Comme je l'ai évoqué dans l'introduction, nous sommes en cours de projet fédéral, la Fabrique des possibles. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Alors, en revenant sur la Fabrique des possibles, ce qu'il faut dire en premier, il me semble, c'est que l'ambition de ce projet était très très forte et qu'il visait à la construction d'une société plus désirable. En tout cas, c'est ce que nous espérions et souhaitions. À ce titre, nous devions prendre en compte les évolutions de notre société. Nous voulions prendre notre part dans la construction de ces mutations et, en tout cas, relever un certain nombre de défis environnementaux, économiques, sociétaux et surtout le défi démocratique. Durant ces 10 ans, on voit bien que notre environnement a beaucoup changé. On parle plus aujourd'hui d'urgence, me semble-t-il, que de mutation. Nous sommes bien conscients du pessimisme ambiant, des montées des extrêmes, des régimes dictatoriaux, et de la conflictualisation des débats politiques. Le monde associatif est de plus en plus encadré. J'en veux pour exemple le CER. Et des événements nous ont, durant ces 10 dernières années, beaucoup marqués aussi, comme les mobilisations sociales hors les mouvements syndicaux, Nuit debout, Gilets jaunes, ou encore sur des thématiques de discrimination, comme MeToo, Justice pour Obama, et, ou encore oui, des choses qui ont mobilisé fortement les jeunes, comme les thématiques autour de l'écologie. Michel, du coup, on va regarder un dessin de Bobica aussi ensemble, pendant que tu parles, qui revient du coup sur toutes ces thématiques dont tu es en train de parler et tout ce dont, tous les sujets sur lesquels les centres sociaux ont à travailler. Alors, sur, ce qui a été travaillé, peut-être que je reviens quand même sur ce qui a marqué notre environnement. Notamment les attentats avec le climat sécuritaire qui s'en est suivi. Bien sûr, la crise sanitaire avec le Covid, il a mis en évidence notre forte présence en tant que centres sociaux sur les questions d'éducation, d'isolement, de précarité, a aussi pointé un certain nombre de choses sur la précarité alimentaire, entre autres. La montée des inégalités sur le numérique, l'accès au logement et à l'éducation. Et puis, la défiance renforcée vis-à-vis de l'expertise scientifique et du monde politique. Dans le réseau, nous avons été aussi marqués par les attentats. Et d'ailleurs, nous nous sommes saisis de la question de la laïcité avec la publication d'un livret. Nous avons dû revenir sur les ressources des centres sociaux et travailler sur les modèles socio-économiques, les questions de jeunesse qui se sont beaucoup posées et sur le développement durable. Donc l'escale qui a été faite à mi-parcours de ce projet en Flandre-Maritime nous a permis de mesurer le chemin parcouru, d'analyser le contexte, de donner des perspectives autour de notre ambition politique, en réaffirmant le concept centre social animé par les habitants et en renforçant bien évidemment le pouvoir d'agir des habitants. Pour autant, nous avons produit des choses à l'interne, mais nous sommes restés quand même très silencieux sur un certain nombre de points, par exemple la discrimination raciale, la parole des femmes, l'accueil des migrants ou encore les violences policières. Sans doute, aujourd'hui, faut-il mieux réaffirmer notre place dans une société où nous voulons que vivent des espaces de débat, de discussion, d'éducation populaire, afin de nourrir notre ambition politique. Être plus clair aussi sur ce où nous en sommes aujourd'hui, dans les centres sociaux, en tant qu'espace animé par les habitants. Regarder encore une fois le chemin qui nous reste à parcourir pour mieux dire notre lien aux habitants et aussi ce qui nous rattache au grand courant de pensée. Merci Michel.